But a man's gotta eat. I done seen it all, trying to survive on these streets. My baby mama's bugging, cause the bills ain't paying. And the feds at my door, cause I missed the court date. And sometimes I wonder, will I ever see the light? But I know life's a match, I ain't losing this fight. I gotta keep the hustle going, gotta keep my money flowing. I'm half past dead, trying to see where I'm going. It ain't the best way to be, but the streets are all I know. And I'ma be in street heaven, but when it's time to go. Oh, you think it's a game? Don't believe the hype. You can call me a criminal, but I'm a thug for life. So before you try to judge me and say that I'm wrong, take a second to just listen to the words in this song. It's easier said than done over here where I'm from. So they hold us down and lock us up and shoot if you run. I'm trying to find a way, trying to get my control of my case. Hear me? Said it ain't that easy, nothing's guaranteed. So I'm doing it like you hear me. I'm trying to find a way, trying to get my control of my case. Hear me? Said it ain't that easy, nothing's guaranteed. So I'm doing it like you hear me. Explain, but they just don't understand. I done been through it all, trying to be a changed man. When all that's spent, it's only one way to go. So I turn back to hustling, cause it's all I know. All I breathe, matter of fact, I eat and sleep it. And every night I pray to God my soul to keep me. Cause I'm living my life not knowing what's ahead. So I gotta get my bread to keep my family fed. Y'all, I'm praying for help. Cause I'm to the point now where I can't even trust myself. Oh, you think it's a game? Man, I'm trying to survive, yo. Just until 5-0 come a knocking on my front door. Throwing me down, putting locks on my wrist. I'm asking questions and they answer with this. Then it's back to the sad dress and large clock. But you can trust what I'm Twitch. Qui a commencé? Moi, je m'appelle Twitch. Je suis personne et j'ai rien vu. Et puis, je suis pas une balance. Tu fais dans ton froc? T'as peur de ces mecs? Tu crois qu'ils vont te faire du mal? Tu devrais plutôt avoir peur de moi. Et de ce que je pourrais te faire si tu continues. Écoutez, moi, je fais mon boulot. Je fais mon temps, monsieur. Je paie ma dette. Ouais. Monsieur est un exemple. Vous voyez, Twitch est en prison depuis un bail. Il a vu des tas de choses ici. Comme des prisonniers qui essayaient de se la raconter. Mais je les ai brisés comme des petites merdes. Il n'y a pas de vainqueur sur mon île. À part moi. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Il y a des volontaires pour aller au mitard? Et alors? J'ai eu des tas de mecs comme vous au mitard. Des mecs qui se croyaient super forts. Des mecs qui s'étaient imaginés en débarquant ici qu'ils étaient plus grands. Comme en île. Tu es beau, mon grand, tu sais. Tu sais pas à quel point j'ai envie de te défoncer. Hey! Alors, tas de merde, vous ne tiendrez pas 2 semaines dans une prison comme Crichton. Il y a les meilleurs quartiers de haute sécurité de tout le pays. Pour ceux qui ne connaissent pas, la société a claqué une fortune pour construire des murs de 12 mètres d'épaisseur. N'importe lequel d'entre vous peut finir sa vie là-bas, sur un simple claquement de doigts. Voilà. Du moins, je vous aurais prévenu.
quel que soit celui qui provoquera une émeute. Il aura un aller simple pour Creighton sans discussion. Vous pourrez voir à quel point vous êtes mauvais. Maintenant, ramenez-les en cellule. Ils commencent à me donner envie de gerber. Allez, mettez-vous en rang et avancez. C'est bon, retournez dans vos quartiers. Allez, avancez! Plus vite que ça! Creighton, c'est dans le Missouri, ça, non? I'm addicted to the grind, 11 nines in my backpack. I'm with that crack at, block brown with that Mac at. Wise up, ace down. Hey, putain, mec, n'oublie pas que tu dois un paquet de clopes, ok? Hey, Twitch, il paraît qu'on te l'a mis profond pour ta demande de conditionnel. On dirait que tu vas pas sortir d'ici avant longtemps. Va te faire foutre, Hubert. Je te signale que je sors dans un mois. Mets-le sur ton calendrier. Pendant que tu pourriras ici. J'aurai les lingots. Mais me retrouver dehors plutôt que tu l'imagines. Ah ouais. Tu vas creuser le mur pour te sauver? T'inquiète, j'ai mon idée. Dans un mois, Twitch, c'est tout ce qui me reste. Ouais? Moi, je te réserve une jolie surprise si t'arrêtes pas de venir m'emmerder, espèce d'enculé! Fils de pute, c'est à toi que je parle, enfoiré. Qu'est-ce que tu veux, Twitch? Je veux te casser la gueule, connard. Allez, lève-toi, bouge ton cul. Non, t'es pas sérieux? J'aime pas que tu racontes des merdes sur moi. Quand? T'as pas de preuves? J'ai pas besoin de preuves, tu causes comme un baveux. Comment tu peux voir avec cette putain de lunettes sur la gueule? Arrête, prends-moi ça. Je t'emmerde. Pourquoi t'essaies pas de les reprendre? Comme ça, j'aurai l'occasion de te foutre sur la gueule. Dans un mois, je serai libéré. Je vais pas me friter avec toi. Mais ma poule, elle peut. Tu parles de quelle poule? Occupe-toi de lui. Je vois. Ok, ok. Hey, attends. Du calme. Et ça va pas. Putain, relève-toi, petite merde. Ça suffit! Ça va, ça va, ça va! Allez! Mec, j'ai rien fait! Et toi, tu vas dire au directeur que c'est toi qui as commencé! Merde! J'entends, mec! Putain d'enfoiré, tu vas dire que c'est toi, je te prends! It's too many talking, not enough fighting. It's too many followers, not enough leaders. A sad situation, the block is a dark place. Too many G's and not enough bitches. Too many trees and not enough switches, nigga. Too many chiefs and not enough Indians. A bad situation, a rock in a hard place. It's time for the games to stop. It's too many niggas at the spot. Bonjour, messieurs. Bienvenue à Creighton. Je m'appelle Wallace et je suis le directeur de cette prison. Je tenais à vous accueillir personnellement pour vous dire qu'ici, je suis seul maître à bord. C'est ma prison avec mes règles. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous tenir à carreau. Tenez-vous peinard et respectez mes règles. Je me fiche que certains d'entre vous se prennent pour des durs. De toute façon, sachez une chose. Je vous briserai tous. Et ça, je vous le promets. J'ai été clair? C'est clair, patron. Je marche avec vous. Recule d'un pas. Écoute, petit con. Je sais que tu es du genre à créer des problèmes. C'est pour ça qu'on t'a envoyé ici. Je veillerai personnellement sur toi. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Mes officiers auront le droit de recourir à toutes les mesures qui seront nécessaires pour te remettre dans le rang. J'ai été clair? De toute façon, moi, monsieur, j'ai pas... Tu te mêles pas des affaires des autres et tu restes tranquillement dans ton coin, t'as compris? Et monsieur, écoutez, vous savez, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est pas... Je ne suis pas sûr de t'avoir très bien entendu. Je veux seulement finir mon temps et m'arracher d'ici. C'est bien ce que j'ai cru entendre. Je
te le rappellerai s'il le faut. Prenez vos tenues de prisonnier et vos chaussures. Emmenez-les en cellule. Allez, c'est bon. Tu vas. Il y a de l'ambiance ici, c'est clair. Allez, vas-y. Regarde une union, ce petit. Viens me faire un petit câlin, ma jolie. Serre la main, tu chies dans ton froc. Approche. Les perds jamais de vue. Ouais, compris. Et méfie-toi, ça peut être une diversion. En moins d'une seconde, ces fils de pute pourraient s'entretuer, fais gaffe. Il y a des fois où je me demande pourquoi on se fait chier à les arrêter. Mozo dit qu'il veut plus de pognon pour apporter le matos. Putain de merde, tu sais combien cette meule se fait payer? Laisse-moi le coup. Calme-toi. Et si cette espèce d'enflure deal est dans notre dos avec les disciples, patron? Laisse-moi faire. Est-ce que t'en es sûr? Laisse-moi faire. T'asseoir ici, mon frère. Qu'est-ce que tu me veux? Je voulais juste te donner un petit conseil d'ami. Où tu vas avec ces mecs, ou tu viens avec nous? Alors, je ferais bien de venir avec toi? Ouais. Pas avec ces mecs. À moins que t'aies envie de te suicider. J'ai peut-être envie de rester tout seul ici. Et bouffer tranquillement. Si tu fais pas un choix, ils vont te crever. Et s'ils te ratent, nous, on t'aura. Et pourquoi il mange tout seul, lui? Qui c'est, un Burke? T'approches pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il voudra pas. Comment tu sais ça? Il me connaît même pas. Burke, il en a rien à péter de personne ici, à part de lui-même. Et ça va pour lui. Il peut se défendre tout seul. Mais toi, tu te ferais mettre KO au premier round. Laisse tomber. Je crois que tu vas avoir besoin d'amis ici. Tu vois ça? Ça veut dire que j'ai besoin de personne. T'es même pas encore cicatrisé, te la pète pas, viens voir Angel. Content de te rencontrer. Je m'appelle Angel. Moi, je m'appelle Twitch, ça boum? C'est pas grave, mec. J'ai un de LA, tu connais, c'est un petit bled. T'as entendu parler? T'as des potes à LA? Non, aucun. T'es loin de la plage, ici. C'est pas Malibu. Toutes les cellules sont les mêmes pour moi. C'est de la... Les cellules, c'est pas ce qu'il y a de plus flippant, ici. Tu sais qui je suis? Non, pourquoi? Je suis censé... Wallace, t'as pas parlé de moi quand t'es arrivé? Wallace. C'est le directeur, c'est ça? Ouais, ça lui fait plaisir de croire ça et de se promener en donnant des ordres à son chien de garde. Mais en réalité, c'est moi qui dirige tout ici. J'ai négocié, comme qui dirait, des arrangements. Alors si t'as le moindre problème, ou si t'as besoin d'un service, c'est à moi que tu demandes. Tout ce que je veux en retour, c'est la loyauté.
Non, ça, ça a l'air assez cool pour moi, tu sais, mec, mais... J'ai l'impression que t'as pas la marque. La marque ? Les anges de l'enfer. Et ça, c'est la marque des anges. Eh ben merde, alors vous avez pas autre chose pour faire partie du club ? Je sais pas, une carte de membre. T'es avec nous, frère ? Il y a à peine un jour que je suis là. Vous me connaissez même pas. Comment vous pouvez savoir que je vous baiserai pas ? Tu nous menaces ? Écoute-moi, mec, Soit t'es avec nous, soit t'es avec Cortez. Je suis avec personne. Écoute-moi. Ça va bientôt péter. Si tu portes cette marque, je te garantis que tu pourras t'en sortir. Allez, c'est l'heure. C'est bon. Allez, dépêchez-vous. Avancez. Je te dis que tous les frères sont avec nous, tu vas pouvoir y aller. Je te le dis, mec, ça va pas tarder. Je sens que ça va dégénérer avec le gang de Cortez. Reste cool, mon pote, reste cool. Te prends pas la tête. Pourquoi on fonce pas sur ces fils de pute ? Qu'est-ce qu'on attend ? Ça va venir. Oui, mais quand ? Quand moi, je le dirai, bordel. Qu'est-ce que tu crois ? Tu peux faire ça mieux que moi ? Hein ? Écoute, tout ce que je dis, c'est que Cortez a engraissé un paquet de gardes avec son pognon pendant que toi, t'es assis là à attendre que Dieu ou je sais pas quoi t'envoie un putain de message. Hé, hey, négro ! Putain, qu'est-ce que tu branles, toi ? T'étais sur mon chemin. Bon, il est pas la fermée, là. Bon, écoute, Burke. Je pense qu'il est temps de te montrer comment ça marche dans cette tôle. Et c'est toi qui vas me montrer ? Ouais. Lâche-toi. Je te laisserai balancer le premier coup. Fais voir un peu ce que t'as dans le slip, mon gros. Une autre fois, Angel. Me tourne pas le dos quand je te parle. Espèce d'enfoiré, te casse pas quand je te parle. Un jour, tu seras prêt, Burke. Et je serai là. Gros tas de merde. Allez, viens. Alors c'est toi, Burke, hein ? C'est pas ça ton nom ? J'ai entendu dire que tu faisais partie d'aucun gang et que tu marchais pas dans leur combine. Angel a peur de toi. Cortez, lui aussi, il flippe. Moi aussi, je l'ai fait flipper. Tu sais, moi, je la ramène pas trop, mon pote. Tu te la joues perso ? Je suis comme ça, moi aussi, tu sais, je préfère pas me mêler des histoires des autres. Je suis pas vraiment du genre à m'impliquer. Ferme-la, tu commences à me casser. Et je voulais seulement que ce soit plus facile, c'est tout, mais... Arrête. Alors pourquoi t'es là, toi, mec ? T'as buté quelqu'un, un truc comme ça ? Ou t'as braqué une banque, peut-être ? Moi aussi, je pourrais faire un truc comme ça, ça me brancherait bien. Peut-être qu'on pourrait bosser ensemble, hein, mec ? Ferme ta gueule. Putain. Moi, je m'en fous, hein. C'est vrai, si t'as pas envie de discuter, t'as qu'à me le dire, c'est tout. Et je te dirai plus rien, je voulais juste essayer de communiquer, on n'est pas des sauvages. J'ai pas envie de discuter. Eh ben, c'est cool. C'est là, numéro 3.
Tu viens pas avec moi? Ma chérie, j'ai plus rien à dire à ton père. Bon. Tu as ton parloir. Je dois aller voir ma petite femme, mec. Je vais lui faire un petit coucou. Je reviendrai plus tard pour discuter. Ça m'a fait plaisir. Ça va, chérie? Mais viens pas écouter notre conversation, toi. T'as vu mon avocat? Ma biche. C'est plus fort que toi, hein. Il a fallu que tu te fasses envoyer dans le Missouri. C'est plutôt cool, cette histoire, non? Si c'est cool, c'est encore plus dur pour moi de savoir que t'es à côté sans avoir le droit de te voir. Je sais, mon bébé, mais écoute... Tu sais que j'ai attendu 2 semaines avant d'avoir le droit de revoir tes yeux de cocker. C'est trop, Bernard, j'y arrive plus! Putain, c'est quoi ce Bernard de merde? Je t'ai déjà dit de pas m'appeler Bernard ici, compris? Je m'appelle Twitch. Twitch, rappelle-toi bien de ça, femme. Et toi, m'appelles pas femme, Bernard! Je commence à en avoir marre de toi, t'entends? Dès que j'ai eu le dos tourné, t'en as profité pour te faire cette grosse vache. Mais qu'est-ce que t'as été foutre avec elle? Elle allait sûrement te faire des mômes aussi gras qu'elle. C'était pas du gras, c'était du muscle. Écoute, ma belle. Je sais que parfois, t'as l'impression que je te prends pour une... Non, c'est pas une impression. Tu t'es toujours foutu de ma gueule. Merde, c'est ça que tu penses? Je t'ai offert une balle, c'est sérieux, ça? Cette merde est sûrement fausse. Je sais pas pour quand t'as prévu la date de notre mariage, mais j'en ai ras-le-bol, alors j'annule tout. Oui, je te raconte pas de conneries, j'annule tout. Ma mère va être folle furieuse. Attends, doucement, bébé. Attends, écoute. C'est vrai, bébé, je t'ai fait beaucoup de promesses. Ah oui, je te rappelle que t'avais promis que t'allais te marier avec moi, que tu me tromperais jamais, que t'aurais ta liberté conditionnelle. Résultat, t'as tenu aucune de ces promesses, Bernard. Tu vois? Comment je peux te faire confiance, moi? Ça va venir. Je vais l'avoir, ma liberté conditionnelle, chérie. Comme ça? Très vite! Bonjour, Amy. Bonjour. Salut, Ellie. T'as l'air en forme? T'as changé de coiffure? C'est joli. J'aime bien. Oui, merci. Comment ça va, l'école? On est en vacances. Oh, désolé. C'est terminé, Bernard. Je m'en vais. Attends! C'est pas vrai! T'as raison. Mais écoute au moins ce que j'ai à dire. Je vais pas rester longtemps ici. Je te promets que c'est... Allez, vas-y, accouche, Bernard. Écoute-moi et ferme-la. T'es pas vrai, toi. Je suis en train de te parler de notre avenir. D'accord, vas-y, j'écoute. J'espère pour toi que c'est du lourd. C'est du très lourd. Figure-toi que j'ai un plan. Toi, un plan? Oui, un plan. On va être riches. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu vas t'enrichir dans ta cellule, tu délires, t'es complètement fou. Tu sais pas à qui tu parles, on dirait. Tais-toi, écoute-moi. Je me suis arrangé pour être transféré ici, ça fait partie du plan. De quoi tu parles? T'as bien entendu, si j'ai été transféré ici, c'est pas par hasard. Là, c'est sûr, t'es devenu fou. Tu vas m'écouter, tu verras ce que je te dis. Dans moins d'un mois, je serai plus dans cette prison. Tu vas t'évader, peut-être? Mais parle pas de ça ici, t'es malin. Je suis pas d'accord. Je ne vais pas faire ma vie avec un fugitif. J'ai pas envie d'avoir un enfant avec un mec qui est recherché. Le truc dont je te parle va faire de nous des gens respectables pour la vie. C'est vrai? D'y aller, t'es sérieux? Fais-moi confiance. Je vais t'offrir tout ce que t'as toujours voulu. Tout ce que je veux, c'est que tu rentres à la maison. T'inquiète pas, ma belle. Moi aussi, j'aimerais bien rentrer à la maison avec toi maintenant, tu sais. Ce serait toujours mieux que ces chambres conjugales qu'on a ici. Mais si tu veux, je peux toujours en demander une, hein. Je te ferai ma spécialité. Mon chéri, tu penses que c'est possible? Tu me connais. On m'appelle pas le roi du pipeline pour rien. Oh, sérieusement, tu pourrais demander une chambre pour la prochaine fois. Oui, Twitch fait toujours ce qu'il faut. Mais je pensais qu'il fallait faire une demande plusieurs semaines à l'avance, Bernard. On m'a dit que c'était réservé aux mariés. Qu'est-ce que je t'ai dit? Twitch va tout arranger. Sérieux? Génial! Vas-y, lâche-toi. Oh, j'en rêve. Oh, remets-moi ça. C'est moi que tu regardes? Il faut y aller, c'est terminé. Un mois. Ben quoi, tu veux ma photo? Je vais partir vivre ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais m'installer à Dallas. Dallas? Je sais pas si je pourrais revenir te voir. C'est encore une idée de ta mère, c'est ça? S'il te plaît, sois pas trop dur avec elle. Je vais à l'université l'année prochaine. Je sais pas si je pourrais venir te voir.
J'adorerais passer plus de temps avec toi, papa, mais t'es toujours ici. Je sais que tu y es pour rien, mais c'est comme ça. Regarde-moi, Ellie. J'espère que tu sais à quel point je t'aime. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Les anges pourront te protéger. Eh, hey, mais j'ai pas dit oui, hein. Un homme seul est un homme mort. Oh, oh, tu vas me lâcher, mec! Et attendez une seconde, attendez! Oh! Putain! Oh! Merde! Lâche-moi! Je dois y aller, chérie, ce matin. La chambre nuptiale sera prête dans 10 minutes seulement. Mon petit déjeuner va être prêt, je vais le dévorer. Moi aussi, bébé, tu pourras plus jamais me quitter après ça. T'es à moi, il ne pourra plus me quitter. C'est mon bébé. Quoi, ma gueule, elle te plaît pas? Comment ça va, grand-père? Il a peur. La prochaine fois, je le démonte. Non, moi d'abord. T'as qu'à le coincer sous la douche. Allez, viens, on y va. T'as raison, casse-toi. Viens, Burke, tu vas bosser la cafette. Ouvrez-moi la porte. Et ça t'ennuie pas d'attendre ici? Qu'est-ce qui se passe, Louis? Le détecteur ne marche pas. Vous êtes sérieux, là? Oh non, s'il vous plaît, je porte rien en métal. J'ai rien sur moi, pas de couteau. S'il vous plaît, chérie, m'attends, ben... Ah, tu veux une fouille corporelle? Ouais, je dois me déshabiller de toute façon. À l'intérieur, pas devant eux. Bien l'assiette, chérie. Quel connard, ce mec. Laisse-moi ta ration, je te fais votre. Je t'ai dit de pas se toucher. Je mets 10 000 sur la tête de Burke, c'est lui qui l'a tué. Mais le détecteur marche pas, mec. Et puis je vais... Hé, toi, allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Ça, tu seras plus obligé de venir le voir. Ça suffit, maman, c'est mon père. Quel genre de père il a été pour toi, tu peux me le dire? Bordel, il y a une émeute! Verrouille toutes les issues! Il y a une émeute dans la cafétéria! Il y a une émeute à la cafétéria. Fermez toutes les issues. Tout de suite. Très bien, monsieur. Dépêche-toi, faut qu'on y aille. Tous les prisonniers reviennent leur cellule. Je répète, tous les prisonniers retournent dans leur cellule. Vous avez entendu ça? Ramène-nous là-bas. Hé, hey, les mecs, vous avez entendu? Hé, hey, je raconte pas de conneries. Regardez, regardez ce qui se passe.
Vous pouvez ouvrir cette porte. Je ne peux pas l'ouvrir, les portes sont condamnées. Pourquoi condamnées? Vous n'avez pas le droit de rester ici, vous devez partir. Oh, chérie, non. Restez pas là, allez. Ellie, Ellie, dépêche-toi. Oh, non, c'est pas Ellie, cours. Vous êtes pas des flics, vous êtes des gardiens. Je vais vous botter le cul, mon foie. Savoir ce qui se passe. Burke a tué Angel. Putain, t'es sérieux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter? Donne-moi une seule bonne raison pour que je le fasse pas. Regarde-moi ça. Tu viens de te sauver la vie pour cette fois. Mais arrange-toi pour que je te revoie jamais. Fais chier. T'as vu que c'était? Ah non, j'ai rien vu. Tout le périmètre est bloqué. Mais les cellules sont ouvertes. Saloperie de merde. On peut les fermer d'ici? J'essaie. Mais ça ne fonctionne pas. Envoyez une équipe sur place. On demande une équipe au bloc C. Je répète, on demande une équipe au bloc C. Le bloc D est ouvert maintenant. Qui est-ce qui a fait ça? Dois-je envoyer la brigade anti-émeute? Affirmative. Bien, monsieur. Calme-toi, je vais nulle part, mais si tu t'imagines que ça va l'empêcher de tirer. Ouais, comme s'il allait tirer sur un frère. Bouge un doigt et je lui brise le cou. Hé mec, fais ce qu'il dit, hein. Ferme-la, ce fils de pute a buté mon pote Angel. Je vais compter jusqu'à 3. 1. Fais pas le ton, JT, balance ça. 2. JT, c'est l'un des nôtres, mais... Non, plus maintenant. 3.
Il a nulle part où aller. Je vais descendre ce fils de pute! Arrêtez! Arrêtez! Casse les mecs! Vous pouvez pas sortir un tel! Allez, vite, vite! Arrêtez vos conneries! Enfin, c'est pas trop tôt, Bernard! Oh, excuse-moi, mais tu t'es trompé de chambre. Retourne à l'accueil. Elle est où ton problème, ma belle? Quoi? Tu sais pas ce qui se passe? La prison est fermée, ils ont condamné toutes les issues. Non, c'est pas vrai, t'es sérieuse? Oui. D'accord. Il faut pas qu'on reste ici. La porte ne ferme pas. Allez, dépêchez-vous plus vite! Allez, allez, vite! Vite, dépêchez-vous! Je vais te défendre, enculé! Hey, tu vas pas me faire de mal, hein? Si tu la fermes pas, je te promets, je vais le faire. T'as pas une tête de tueur, de toute façon. Sinon, tu m'aurais déjà brisé le cou. Et puis, t'as déjà tué Angel, tu vas pas prendre 10 ans de plus, hein? J'ai pas tué Angel. Casse-toi d'ici. Allez, dégage! Déconnez pas, les mecs. J'ai aucun problème avec vous. Y'a pas de problème. Tu fais partie de la bande d'Angel, toi. Qui? Non, je sais même pas de qui vous parlez. Répète pour voir. C'est n'importe quoi, les mecs. Vous pouvez me croire. Et moi, j'ai rien demandé à personne, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Ah, oh, c'est mignon comme tout, ça. Seulement Dieu, il t'a abandonné aujourd'hui. Lâchez-le. T'entendez? Laissez tomber, les mecs. Ça te regarde pas, grand-père. Je te conseille de rester en dehors de ça parce que c'est notre histoire, c'est pas la tienne. J'ai rien à voir là-dedans. Non. Où est Cortés? Cortés, il en avait marre d'avoir ta gueule. Il essaie de s'échapper. S'échapper? Twitch, tu te casses d'ici. Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Tu préfères rester ici tout seul avec eux, alors casse-toi! Vous avez de la chance qu'il soit là, je voudrais péter la gueule! Essaie de pas me prendre pour un con. Tu sais que tu fais une bêtise, là? Tu sauves la vie d'un mec d'Angel? Je crois que tu cherches les problèmes. Allez, au revoir, papy! Casse-toi! Et merde, pourquoi tu le laisses se barrer? T'as rien compris, toi. Il va se faire coincer par les gardiens. Tu y es? Ouais, j'avais pas compris, encore jeune, tu diras. C'est par là! Ça? Les gardiens! Allez, attrapez-les! Allez, allez! Faut qu'on ouvre une porte. Tout est fermé. On est coincés. Eh ben, dis donc, c'est joli. Oh, qu'est-ce qu'on a, là? Mais c'est à vous, ça? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tellement belle. Et toi, t'as l'air si tendre. Hey, Big Dog, on te cherchait partout. Maintenant que je vois ça, je comprends mieux. Pas douche, Wilson. Hey, y a deux meufs, mon pote. Toi, tu prends elle, et moi, je prends celle-là. Putain, t'as entendu? Je t'ai dit de pas les toucher, alors pars-toi. T'es pas d'accord? Je vais y aller, c'est bon, j'y vais. Ferme ta gueule. Casse-toi! D'accord. On réglera ça plus tard. Et t'inquiète. J'ai des projets pour vous deux. Plus vite! J'aurais
très bien pu me débrouiller tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais. Tant que J.T. et les autres sont persuadés que j'ai tué Angel, je serai l'homme à abattre. Écoute-moi, ils sont prêts à descendre le frère qui m'a aidé. Ces mecs, ça a jamais été mes frères. Je te l'ai déjà expliqué, Burke. Je bosse tout seul. J'ai quelqu'un à protéger. Toi aussi, mec. Allez, ramène-toi. Ouais, y a quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Vous avez pas choisi le bonjour pour les visites. Si vous essayez de sortir de cette pièce, je vous préviens, je vous descends. Enfermé. On doit essayer de garder notre calme. On doit garder la tête froide. Ne pas paniquer. Non, c'est pas vrai. Quelqu'un a coupé le courant, mais on va se brancher sur le générateur de secours. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver le moyen de sortir d'ici. J'ai vu à la télé que la meilleure chose à faire dans ce genre de situation, c'est d'attendre. T'es folle ou quoi? C'est pas du tout ce qu'il y a de mieux à faire. Ce type va revenir d'une minute à l'autre pour nous buter toutes les deux. Mais si on sort d'ici, on risque de se faire tuer. Bon d'accord, toi tu tentes ta chance ici, moi je la tente ailleurs. Et même si tu réussis à t'échapper, hein? Après, il y a une émeute là derrière. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? T'as pas idée de ce que je... Ta gueule! Quoi? Ah ouais, je vois, t'es le plus malin, toi. Tu crois peut-être que parce que t'es une montagne de muscles, tu vas pouvoir ouvrir sans la clé, c'est ça, hein? C'est quoi ton problème, tête de con? Tu veux que je te défonce la gueule? T'es pire que les matons, toi, putain. Et puis lâche-moi d'abord, merde, ça me rend nerveux! T'es marqué, ils sont tous après toi. C'est pas moi qui ai tué Angel. Ah ouais, c'est qui alors? Cortez. Cortez? Ouais. Ah ouais, ça y est, c'est clair. L'émeute, c'était une diversion. Ouais. T'allais le retrouver et après vous alliez tous vous arracher d'ici. Mais ça sera pas sans moi, je suis ta couverture, t'es obligé de m'emmener. Tu fais que me ralentir? Non mais tu déconnes? Je suis plus souple que toi, espèce d'enfoiré. Merde! Merde! Rentre dans ta cellule! Doucement les gars, on reste tranquille. Rentre dans ta cellule, on se garde! Vite, back, Timmy! Suivez-moi! Portez l'air dessus, allez! Non, prends ça, ta gueule, tu te... Je vais le faire, le bâton, je vais le faire! Ça va, putain! Arrêtez, arrêtez! Je m'en fous de lui! On a d'autres comptes à régler, ouais! Ouais, c'est vrai! Allez, on se casse! On se barre, allez! Ouais, allez, on y va! On retourne par là! Brouille-toi! Je te retrouverai! Va te faire voir! Si mon fiancé Bernard était là, lui, il t'ouvrirait ça en moins d'une minute. Dans son domaine, c'était un vrai chef. Il était assez stupide aussi, il s'est fait prendre bêtement. Ça fait des années que j'attends ce type. Et toi, c'est qui? Qui t'es venu voir ici? Mon père. Il est là depuis quand? Ça fait 2 ans, mais il lui en reste 4. Attends, je vais essayer. Je me fais du souci. J'espère que Bernard va pas avoir encore plus de problèmes. Regarde-moi ce bordel. Non mais t'as vu ça? Ils sont morts. À toutes les unités. Allez viens, on se casse. Au poste de contrôle du bloc C. Attends, Stocky Wonky, ça peut toujours servir. Et merde! 2 gardes ont été tués. C'est pas vrai. La dernière fois qu'on les a vus, ils étaient avec le prisonnier transféré du nouvel Alcatraz juste avant que l'émeute éclate. À tous les officiers, je vous demande de vous replier derrière le périmètre. Je vous demande de vous replier derrière le périmètre. Retournez au poste de sécurité. Vous dégagez tous les blocs? Je mets mes hommes à l'abri jusqu'à ce qu'ils aient le matériel anti-émeute et des gilets pare-balles pour riposter. À tous les officiers, repliez-vous. Rendez-vous à l'armurerie pour les gilets pare-balles ainsi que l'équipement anti-émeute. Oui? Monsieur,
quoi? J'ai un détenu sur la ligne 101. Qui est-ce? C'est Alex Cortez. Je vais le prendre. Alex, où êtes-vous? D'où appelez-vous? Vous avez pas à me poser de questions. Contentez-vous d'écouter les ordres. Ou vous devrez commander des cercueils supplémentaires. Si j'apprends que vous êtes responsable de la mort de qui que ce soit... Ta gueule, du con. J'ai perpète incompressible. T'as pas intérêt à me menacer. De quel téléphone il se sert? Impossible à dire. Voilà ce que vous allez faire. Appelez le gouverneur. Dites-lui de prendre son hélico et de se dépêcher de ramener son gros cul ici immédiatement. Je ne pense pas avoir la moindre autorité pour une telle demande. Eh ben, si vous pouvez pas, on tuera les otages. Vous avez des otages? Ouais. De jolies petites demoiselles. Ce serait plutôt mal vu si ces petites mouraient dans cette prison. Débrouillez-vous pour que ça marche. Et n'oubliez pas l'hélicoptère. Vérifiez la liste des visiteurs. Je veux le nom de ceux qui seraient restés. Merci. Appelez le gouverneur. Oui, monsieur. Faut appeler le directeur! Qu'il nous fasse sortir, bordel! Tout est verrouillé, gouverneur. Mais il y a deux blocs qui sont passés en mode manuel. Comment est-ce possible? Je n'en suis pas sûr, monsieur. Mais il semblerait que des prisonniers aient réussi à accéder à un des pupitres de commande. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Ce sont des histoires de gangs. Ils se font la guerre, monsieur. C'est le chaos, ici. Pouvez-vous les contenir? Nous essayons, monsieur. La brigade d'intervention anti-émeute est sur place. Mais nous avons à déplorer la perte de plusieurs officiers. Bon sang, voilà, ça tombe mal. Surtout en période préélectorale. Il y a combien d'officiers morts? Nous pensons qu'il y en a 3 pour l'instant. Bon, nous devons mettre fin à tout ça rapidement. Peu importe ce que ça coûtera, entendu? Mais il faut absolument protéger notre personnel. Est-ce que la presse est au courant? Non, monsieur, nous avons pu empêcher les fuites. Bien, mon bureau va faire en sorte de maintenir à l'écart la presse en attendant que tout ça soit fini. Attendez une minute. Charlie, appelez l'aéroport. Dites-leur que je veux que l'hélicoptère soit prêt à décoller dans 20 minutes. Nous allons à Creighton. J'arrive tout de suite. Bien, monsieur. Dis-moi pourquoi t'as été transféré ici. Côté, là, venez, hein? Allez. Quoi, tu sais pas? C'est du baratin, cette histoire de bagarre. C'était plus qu'une petite bagarre, ils étaient 3, tu vois. Et ils croyaient que parce que j'étais petit, je pourrais pas leur démonter la gueule. Mais je leur ai fait ça, et ça. Qu'est-ce que vous foutez? Ils pourraient même pas péter la gueule à ma grand-mère. Putain, si je veux, je te casse la gueule, moi. Quoi? Si ma hanche me faisait pas souffrir. Hé, t'arrêtes de me baratiner maintenant. Pourquoi t'as été transféré ici? Je voulais m'approcher de ma fiancée, Cherise. Arrête tes conneries. Non, c'est vrai. Ça se voit que tu mens, dans tes yeux. Mes yeux sont toujours comme ça. Je veux que tu répondes à ma question. Pourquoi t'as été transféré ici? Je sais pas nager. Et à Creighton, y a pas d'eau. Y a pas de requins autour. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pour ça que tu t'es fait transférer ici? C'était pour t'évader? Ouais, c'était pour ça. Je suis complètement dingue, putain. Merde, qu'est-ce qu'il fout? Ça va pas, on va se faire descendre. Quel con. Les mecs du gang du Cortez de ce côté-là. Eh, c'est bien si je dois faire pégale. Allez, viens. T'y arrives? Ça marche pas. Faut essayer encore. Plus facile à dire qu'à faire. Écoute, faut trouver un autre moyen. Si ce type revient, on va être mal. C'est flippant. C'est là que les gens assistent aux exécutions? Ouais. Je crois que je pourrais pas. Tu pourrais pas quoi? Être assise là pour regarder quelqu'un mourir. Bon, faut ouvrir cette porte, c'est le seul moyen de sortir d'ici. T'essayais de te barrer. T'as oublié ce que je t'ai dit tout à l'heure? Oh,
attache-la. Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? T'es sourde ou quoi? Alors obéis, attache-la. Serre bien. Hey, ils sont là, venez me donner un coup de main. Eric, vérifiez que chaque officier en a un. Robert, retournez au bureau, enregistrez tout ce qui se passe ici. Bon, vous êtes tous prêts? C'est le moment d'y aller. Vous avez pris tout votre matériel? À tous les officiers, ici le directeur de la prison. Reprenez le contrôle des blocs, un par un. Il faut rechercher en priorité deux détenus. William, Burke et Bernard Twitch, Washington. Ils sont suspectés du meurtre de deux gardes. Hé, je délire pas, il a dit mon nom! Twitch est le détenu qui a été transféré du nouvel Alcatraz. Lui et Burke pourraient être armés. Non, on n'est pas armés. Vas-y, Burke, dis-lui. Essayez de les capturer vivants. Mais n'hésitez pas à tirer s'il le faut. Donne-moi ça. Hors de question que tu lui parles. Putain, j'ai tué personne, Burke. Nous avons aussi un problème assez grave à régler. Il y a un autre prisonnier, Alex Cortez, qui retient des otages dans le secteur. On ne sait pas exactement combien ils sont, mais apparemment deux personnes ne sont pas revenues du parloir aujourd'hui. L'une d'elles est Cherise. Oh putain, donne-moi ce truc. Wallace, tu m'entends? Qui est-ce? C'est Twitch qui te parle. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Hé hey mec, pourquoi tu me fais chercher? Hein? J'ai tué personne, moi. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Si, tu m'as accusé. T'as même balancé un avis de recherche contre nous. Ça pète de tous les côtés, tu veux nous faire flinguer ou quoi? D'accord, alors venez ici, comme ça on y verra plus clair. Quoi? Qu'est-ce que... Question qu'on rencontre ce type? Twitch, vous êtes toujours là? Ouais, mec. Alors, ça vous va? On pourra en discuter de vive voix. Non, ça va pas le faire, mon pote. Si on se pointe, tous tes matons vont nous tomber dessus. Alors oublie ça. Mes hommes ne vous feront aucun mal, je vous le promets. Bon, tu vas retirer ton avis de recherche et on verra après. Dites-moi seulement où vous êtes. Et nous ferons en sorte... On va pas rencontrer ce type. On est dans la merde, putain. Toute cette prison, c'est de la merde. Twitch. Fiché. Twitch! Non mais c'est pas vrai! Allons-y! Ouvrez-moi ça! Le deuxième otage est Ellie Burke, la fille du détenu William Burke. Allez, on y va! Restez groupés! Vous laissez pas surprendre! Regarde-moi ça. Allez, vas-y. Ils arrivent. Dépêchez-vous, les mecs. Allez, dépêchez-vous, allez. Où est Burke? J'en sais rien du tout. T'es sûr, il verra? Tu sais, moi, je m'en tape de Burke. Bon. Doucement, doucement. Ça va. Ouh. Alors, c'est vrai, t'en sais rien? Et où est ton chef? Je m'en tape complètement de lui aussi. Qu'il aille se faire foutre, il m'a bien eu avec son plan d'évasion. Quoi? Quel plan? Eh, il retient des otages, et une des otages, justement, c'est la fille de Burke. Eh, comme je te le dis. Il va utiliser les otages pour s'arracher d'ici. Je parie que tu le savais pas. Hé, hey, y'a des gros poireaux qui émeutent, t'arrives? Allez, on s'arrache, les mecs! On va pas traîner ici, mais putain, barre vous! On va leur montrer qui commande ici à ces enfoirés! Allez, courez, courez, on se casse! Allez-y, les mecs, allez-y. Gueulez, gueulez. Casse tout. On casse tout. On casse tout. Thank you.
parler pour toi. J'aime pas du tout la tournure que prend ce bordel. C'est quoi cette merde? Des gangs ont l'air de tenir le coup et ça, ça craint. Pas tant que ça, ils sont en train de se rendre. Il faut qu'on retrouve Cortés avant eux. C'est pas la première émeute que je vois, mec. Personne ne gagne. De quoi t'es en train de parler? Le rocher. Le nouvel Alcatraz. J'ai fait 5 ans là-bas, mec. Une nuit, il pleuvait tellement, c'était de la folie, il s'arrêtait pas. Et ben, y a un putain d'hélicoptère qui s'est craché sur le toit de la prison. Les mecs sont sortis de partout et ils ont commencé à tirer dans tous les sens. Maton, les détenus, il y a eu un sacré paquet de morts. Si t'avais vu ce bordel, t'imagines pas. J'ai un tas de potes qui y sont passés. Des mecs qui comptaient pour moi. Ces mecs ont attaqué la prison. C'est pas important, écoute ce que je te dis, mon pote. Je sais que ça a été un putain de bordel. Et j'ai pas envie de revivre ce genre de conneries. Bon, écoute, c'est pas pareil cette fois. Viens, suis-moi. Y a plus personne. J'en ai plein le cul de toute cette merde. Je vais récupérer ma femme et puis... Devine qui est là, grand-père. Ouais... Tu veux mourir comme un homme ou pleurer comme une gonzesse? C'est pas ce que tu crois, j'ai dit. Tu sais à quoi je pense, hein? C'est pas moi qui ai tué Angel. Ah ouais, tu préfères me la jouer innocent? J'aurais eu du respect pour toi si t'avais avoué. On va régler ça comme des hommes, à l'ancienne, rien que tous les deux. Fais ce que t'as à faire. Un petit divertissement en attendant. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va te découper en morceaux et envoyer ton corps dans un restaurant chinois, tu finiras bouffé. Regarde-moi. Ouais. À l'ancienne, tous les deux. Oh. Emmenez ce fils de pute à la cafétéria. Ouais. Merde, lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Allez, avance! Bien, oui. Ouais. Toi, va allumer le feu. Allez. Ouais, c'est bien. Il a rien dans le ventre. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que vous allez faire de la cuisine. C'est Cortés qui a tué Angel. C'est pas moi. Me touche pas, toi! Ça va, laisse tomber, calme-toi. Laisse-le partir. Je t'ai monté la tête! Doucement, toi. Ça va, J.T. Écoute-moi, je vais t'expliquer. J'ai rien dit à personne. À personne, tu le sais déjà. Tu vois de quoi je parle. Mais est-ce que t'as confiance en tous ces fils de pute? Je suis sûr qu'on peut pas en dire autant de tout le monde, J.T. Mais de quoi tu parles, Twitch? Tu vas comprendre. Voilà ce qu'on va faire. On va buter ce fils de pute. Mais tu t'imagines que ça va calmer les esprits et qu'après, tout ira bien? Ah ouais, et comment? Quoi, vous croyez qu'Angel va ressusciter? Bon, faites comme vous voulez, cuisinez-le. S'il y en a un qui parle de ça à quelqu'un, ça sera toi. Tête de con. Maintenant, dégage de ma vue. Laisse-nous, on va faire un peu de cuisine pour ce soir. Tu vois, c'est dommage, Burke. T'as pas de chance. Tu pourras rien faire pour sauver ta fille. Quoi, tu savais pas? Ce mec, c'est même pas Cortés a pris sa fille en otage. Avec elle, il est sûr qu'on le laissera sortir. Et en plus, il va pouvoir s'éclater avec. Thank you.
Mais avec ta fille, je me la ferai aussi. Allez, viens, viens, Burke. Dépêche-toi, vite, vite, on doit se barrer d'ici. Ce que je vois. Je dois mettre la main sur Cortez. Tu vas lui courir après? Il a pris ma fille. Si tu veux t'évader, alors casse-toi. Tête de mule. Hé, hey, Burke! Attends-moi, mec! Wallace? Le gouverneur va arriver. Qu'est-ce que vous lui voulez? Monsieur le gouverneur, je viens de décoller. Je serai là dans une demi-heure. À mon arrivée, je veux que toute la prison soit verrouillée. Ici, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Deux gardiens sont morts. Nous avons des suspects. Toutes les équipes sont à leur trousse. Faites en sorte de les retrouver. Morts ou vifs, ça ne me dérange pas. Assurez-vous de garder le contrôle de la situation. Je fais aussi vite que je peux. Hé, hey, Burke! Attends, Burke! Attends-moi! Putain! Pousse-toi, aide-moi un peu! Attends, je vais essayer comme ça. Allez! Encore un petit effort? Mais, vite, dépêche-toi! Dépêche-toi! Je suis coincé! Attends, j'ai une idée! Bouge pas. C'est quoi? À ton avis, j'ai volé des voitures de luxe. Et ça, c'est pas plus compliqué. Allez, putain, dépêche-toi! Te fatigue pas. Dis-moi plutôt ce que tu fais là. Je t'ai raconté mon histoire. J'ai pas écouté. Ouais, c'est par là. Toi, t'as braqué une banque, c'est ça? C'est par là. Tu voulais faire sauter le Pentagone? Putain, bouge-toi le cul! Je laisse tomber, t'as gagné. Dis-moi pourquoi t'es en tôle. Pour rien du tout, je suis innocent. Y a des innocents en prison, mec. D'accord, j'ai un pote qui a braqué un fourgon blindé. J'aurais dû le savoir, mais j'étais pas au courant. La police l'a attrapé chez moi avec un sac plein de fric. Un sac plein de fric? Ouais. J'ai été condamné pour complicité. On m'avait dit que j'allais en prendre pour 2 ans. Et j'en ai pris pour 5 ans. J'ai perdu ma femme. Elle m'a quitté en m'enlevant ma fille. Ma fille, c'est tout ce qui compte pour moi. Suivez-moi! Tous les autres, ils m'ont chié dessus. T'inquiète, je vais pas te laisser tomber, Burke. J'ai jamais planté un ami. Par là! Ouais, on verra ça. Non, j'ai trouvé ce fils de pute! Oh, fais chier! C'est Burke! Il est cuit! Vas-y! Vas-y à toi! C'est bon, Burke! Allez, ferme! Je t'aurai, Burke! T'es un homme mort! Mais viens, mec, c'est par là! On y va! C'est par là! Prêt? Allez! Allez, à l'autre coin! On rentre et vous fermez. On va remettre de l'ordre. Restez vigilants! Allez! La moitié des cellules sont sous notre contrôle. Pour le reste, c'est une question de temps. Et toujours pas de Cortez. C'est une prison, on devrait bien finir par le retrouver. Il se doute bien qu'on va pas le laisser sortir. Ne fait qu'empirer. Il semblerait qu'Alex Cortez ait mis la main sur des civils. Il les garde en otage. Ce sont des femmes.
C'est fâcheux, Wallace. Comment ça s'est produit? Monsieur le gouverneur, l'émeute s'est déclarée pendant les visites. Une des deux otages attendait dans la chambre conjugale. Allons à l'intérieur. J'aimerais bien parler à ce Cortés. Burke nous a enfermés. C'est un homme mort. Hé, fais ce que t'as à faire et tu seras vite dehors, compris? Alors bouge pas. C'est vraiment le bordel dans cette prison. Fais chier. Burke, je te cherchais. Tiens-moi la main. Où est Cortés? Alors suis-moi, je vais t'emmener devant ce fils de pute de Cortés. Hé, viens! J'aime pas ça. C'est juste derrière, à côté des cellules. Là où il y a les machines à café. Cortés est là-bas? Ouais, il y est, ce fils de pute. Il est au courant depuis le début. Merde, c'est à droite, là. Merde. Où est-ce que tu nous emmènes? Je vais te le dire, voir Cortés. Faut se calmer. Et pourquoi tu nous dis ça? Parce que je veux plus couvrir ce fils de pute. Il a voulu me baiser, cet enfoiré. Et va savoir si tu payes ta dette. Je pourrais avoir besoin de toi. Écoute, je veux pas entendre parler de payer ma dette. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma fille. Je le sens pas trop, ce mec. Et j'aime pas ça. Pourquoi personne n'a entendu parler de ça? Parce que les filles qui sont comme les autres, on peut les acheter. Hey, Libéra! Fais chier! Quel enfoiré. Je savais qu'il fallait pas lui faire confiance. Ouais. Je vais te dire un truc. Quand tout ça sera fini, je lui ferai payer. Quand je mettrai la main sur Cortés, je lui exploserai la tête. Ouais. Si tu le fais pas, c'est moi qui le fais. Je veux des réponses. Maintenant, la vérité. De quoi tu parles? Je veux savoir pourquoi t'as été transféré ici. Je t'ai déjà dit pourquoi j'ai été transféré. Va te voir, mec. J'aurais jamais dû le trouver. Trouver quoi? Le Tador. Si je comprends bien, tu t'es fait transférer ici pour t'échapper et aller récupérer un peu d'or. 160 millions de dollars, ça vaut le coup, mec. C'est des conneries. Apparemment, t'as jamais entendu parler de Lester McKenna. La ministre de la Justice des États-Unis d'Amérique, Jen McPherson, vient de se poser au Nouvel Alcatraz. Elle est ici pour témoigner de l'exécution de Lester McKenna. On s'est retrouvés dans la même cellule, tiens.
Il a détourné de l'argent du gouvernement. C'était pas du cash, c'était des caisses bourrées d'or. Le juge McPherson avait condamné McKenna pour le détournement de fonds le plus important de l'histoire. 160 millions de dollars en lingots d'or. Ils ont retrouvé une partie des lingots, mais il y avait d'autres caisses. On est deux à le savoir, il y a moi et il y a Hubert qui était en cellule avec nous. Je serai dehors dans un mois. Tu peux le mettre sur ton calendrier. Les fédéraux m'ont proposé leur aide. Ils m'ont promis de ramener l'ordre. Ils attendent mon feu vert. Pour des raisons inexpliquées, McKenna a réussi à cacher l'or avant d'être appréhendé par les forces de l'ordre. Il emportera son secret dans la tombe. C'est une chasse au trésor à l'échelle nationale que mène le FBI depuis 17 ans. Cette énigme ne sera vraisemblablement pas résolue. C'était Roxane en direct de San Francisco. Ce malade s'est démerdé pour que personne le retrouve. Où est-ce qu'il est? T'es sourd, je viens de te le dire. J'ai jamais dit que j'en voulais à tes lingots. Oh, ferme-la, Burke. T'es comme tous les autres. T'es intéressé par l'argent. Ça fait beaucoup trop longtemps que je me fais chier à attendre. Alors viens pas me gaver. Écoute, on n'est pas encore condamné à mort. Alors on va sortir de ce trou et trouver ton or. Attends. Je viens d'avoir une idée, mec. Ouais, une idée. Tu sais, je crois savoir où Cortez se cache. Cortez sur la Lune. Alors Wallace, le gouverneur est là? Je suis là. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais parler avec les otages. Non, je crois pas. Comment pourrais-je savoir si elles vont bien? Croyez-moi sur parole. Vous m'avez amené l'hélico? Oui, justement, je voulais vous dire que nous essayons de vous en trouver un. Ne prenez pas pour un con. Je veux celui qui vous a amené. Je le veux prêt à décoller dans 10 minutes. Cherchez pas à me baiser. Maintenant, vous savez de quoi je suis capable. On peut faire appel à la cellule des négociateurs? Non, laissez tomber. Cortez a déjà négocié. Donnez-lui son hélicoptère. Exécution. Attendez une minute. C'est un meurtrier, vous semblez l'ignorer. Si vous avez une meilleure idée, allez-y, je vous écoute. On pourrait au moins essayer de lui parler pour gagner du temps. Justement, du temps, on n'en a pas. Je veux garder les otages en vie. Mais on ne sait même pas où Cortez les a enfermés. Regardez bien sur vos moniteurs. Il y a deux hommes. On dirait que c'est Burke. Et l'autre, c'est le transféré. Une des otages et sa fiancée. Et l'autre femme à être retenue en otage est la fille de Burke. Au moins, on sait ce qu'ils cherchent. Tous les deux? Ils arrivent près de l'annexe. L'annexe? Je veux 10 officiers avec moi sur le champ. Et n'oubliez pas vos boucliers. C'est quoi l'annexe? La roue de la mort. Utiliser ton cerveau. Vas-y, montre-moi. Ça y est, on est à partir maintenant. Ok. À l'envers. Calme. Putain de merde, c'est quoi ce bordel? C'est ta fille? Et elle, c'est ta pute? Ça va, arrête, Cortez, merde, fais pas ça! Laisse-les partir, Cortez. Putain, mais pour qui tu te prends, toi? Fais un pas et t'es mort. Elle, c'est mon ticket de sortie. T'as un autre moyen de sortir d'ici, profites-en avant qu'il soit trop tard. C'est toi qui ferais bien de partir. Tu comptes me buter? Papa! Tout va bien, Ellie. Si tu fais un pas de plus, je lui tire une balle dans la tête. Écoute, si tu veux un otage, t'as qu'à me prendre. Non, mais tu rigoles. J'ai beaucoup de valeur, mec. T'es de la merde. Ta fiancée est une pute. Et maintenant, elle couche avec moi. Je sais où sont cachés 160 millions de dollars. Alors si tu laisses partir les filles, je te dirai où ils sont. Te fous pas de ma gueule. Je parle sérieusement, mec. Si ça te dit de savoir où ils sont cachés, je te le dessine si tu préfères. C'est bon, maintenant? Je te fais pas confiance. Je crois pas un mot de ton histoire à la con. Ces otages sont plus utiles pour moi. Je vais vous dire un truc. Quand je serai dehors,
Je verrai à quel moment je les libérerai. Alors maintenant, tous les deux, cassez-vous d'ici. Je veux plus vous revoir. Je peux pas te laisser faire ça, Cortés. Moi aussi, tu peux et tu vas le faire. Papa ! Va te faire foutre, espèce d'enculé ! Sortez. Allez, allez, allez. À gauche. On avance. Désolé pour ton père. T'iras nulle part, mon pote. Je t'emmerde, reste pas là. Je t'ai dit de rentrer. Connard. Bouge ton cul à la quoi? Ça t'amuse, hein, de jeter les gens à travers les fenêtres. Bouge-toi le cul, allez, avance. Je t'emmerde. Je pourrais t'exploser la tête si je voulais, mais je veux que tu finisses tes jours ici. Bernard. Ramenez Cortés dans sa cellule. Non! Non! Stop! Tout va bien? Il a fallu que ce soit deux solitaires qui foutent le bordel dans ma prison. Burke, Twitch, allons-y. Regagnez vos cellules. Oh, papa. T'inquiète pas, ça va aller. Papa, je t'aime. Je t'aime aussi. Je vais bientôt sortir, ma chérie. Surtout, attends-moi. Je t'ai toujours attendu. Allons-y. C'est fini. On peut y aller. Toute cette histoire est vraie. Je le jure. Demandez au directeur. Je peux certifier que le prisonnier Bernard Washington a risqué sa vie pour arrêter cette émeute.
et que c'est un des deux hommes qui nous a apporté son aide pour libérer les otages. Il y avait Burke avec moi. C'est grâce à lui qu'on a sauvé les otages. Je tiens à vous rappeler que c'est vous que nous entendons, pas Monsieur Burke. Je sais, je voulais simplement que ce soit noté dans le procès-verbal. C'est un homme de parole. Vous pensez qu'on peut lui accorder ? Nous avons entendu ce que vous aviez à dire. C'est conforme à la déposition du directeur Wallace. Nous prendrons en considération l'année d'incarcération faite à Alcatraz. En dehors de quelques petites magouilles sans importance. Par décision de la Cour, nous vous accordons la conditionnelle. Vous êtes sérieux ? Merci. Merci. Merci, je vous remercie vraiment. Félicitations, Twitch. Merci. Bonne chance. Ouais. Essayez de vous tenir à carreau. Vous inquiétez pas pour moi. Ouais. Bernard ? Attends. D'accord, j'arrive. Bon alors, moi j'ai pas le temps de jouer. Alors, dis-moi où il est. Aide-moi. Bah, je vois qu'une caisse en bois, je vois pas d'or. Il est pas là. Ferme-la et aide-moi. Tu veux que je t'aide? Je vais t'aider. Attrape-le par là, t'es prête? On y va. C'est l'or. C'est de l'or, c'est à nous. C'est vrai ce que tu me disais, bébé. Tu l'as fait. Bébé, j'arrive pas à le croire. Tu l'as fait. Tu es riche. On est riche, ma chérie. On est riche. Très riche. Il faut que tu m'aides. On va pas laisser ça ici. Regarde ça. Laisse-moi compter mon argent. Oh, c'est ton argent, Bernard. Ouais, c'est mon pognon. Justement, c'est ce que je viens de dire. Quoi ? Moi, t'as qu'à le porter tout seul, ton pognon. Tu veux pas m'aider ? Eh ben, t'auras rien du tout. T'auras rien à personne, moi. Ouais, quand j'étais en prison, j'étais toute gentille, hein. J'ai risqué ma vie, moi, pour toi. Et toi, tu... Aide-moi à sortir d'ici. Qu'est-ce que tu racontes ? Ramène ton cul ici et viens m'aider. D'accord. Bonjour, monsieur, vous avez la classe. Merci, mais t'es un vrai petit bonhomme, toi, on dirait. Eh, tu vas prendre ça. Tu le mets bien dans ta poche, hein. Surtout, tu le donnes pas à ton père, pas à ta mère, t'achètes pas de drogue et tout ira bien. Ouais. Amuse-toi bien, bonhomme. Salut. Ça va, vous deux? Salut, Burke. Alors, la forme? Oh, bah, toujours pareil. Et vous, ça va? Ah, nous aussi, rien n'a changé. Je suis toujours le même. Ah, bah, c'est marrant, parce que maintenant que tu me le dis, je trouve que le pognon t'a pas arrangé la gueule. Ça te fait rire? Tu te moques de moi? C'est très drôle. C'est pas grave. Toi, même avec 80 millions de dollars, t'en auras pas assez pour te refaire faire la gueule. Seulement 80? Ouais, ça devait être plus. Mais on a mis 80 millions sur un autre compte. Pour toi? 80 millions? Eh, c'était pas mon idée, hein, j'y suis pour rien. Mais si, c'est toi, arrête de mentir. 80 millions de dollars? Mais chut, pas si fort, je veux pas avoir de problème avec la justice, ils vont croire que j'ai piqué cet argent, biché. Je sais pas quoi vous dire. On te le doit, Burke, c'est grâce à toi. Comme ça, t'auras plus de problème de pognon. Et tu pourras inscrire ta fille dans une université de luxe. T'inquiète pas pour ça, je le ferai. Ça se passe comment pour toi ici? Ça se passe, on me laisse tranquille. Ils ont transféré Cortez. Il a eu ce qu'il méritait. Qu'est-ce qui allait pas chez ce mec? Il avait un sérieux problème, tu sais. Mais oublie, j'ai une idée. Est-ce que tu serais d'accord pour que j'aille chercher ta fille et que je la ramène pour Noël? Bernard! Non, vous en avez déjà fait beaucoup. Oh, le Missouri, c'est juste à côté. Je prends un billet d'avion, mec, et en moins de deux, je fais un aller-retour en première classe. Pourtant, tu sais qu'on a prévu de passer les fêtes de Noël avec ma mère. Je viens de dire qu'on allait venir ici pour les fêtes de Noël et que c'était une très bonne idée. Et moi, je te dis qu'on va fêter les fêtes avec ma mère. J'ai dit que j'allais chercher sa fille pour qu'il la voie. Je le répéterai pas et c'est ce qu'on va faire. Maintenant, c'est trop tard, pas pour Noël. Je sais femme. Pas pour qui tu te prends, mais arrête de m'appeler. Ça va aller, Burke. Je t'ai déjà dit que je détestais ça. T'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi. On va faire ce que j'ai dit. Tu sais qui commande.
Tu cherches les problèmes. Je ne veux plus t'entendre si me dire envie, ça. Si j'ai envie, je t'appelle comme non, je veux. Tu te prends avec ton chapeau à la femme. Con. Je veux plus rien entendre. Tais-toi, hein. Tais-toi. They wanna know why I was raised in the streets, born in the heat. I'm thugging and hustling cause I'm too young to sleep. I gotta get my green, homie, even if it ain't right. It's the only way or else I won't be eating tonight. I got no regrets cause my life is a movie. Money, cars, clothes, a bunch of groupies and hoochies. They tell me they in love with me and they say I'm the best. Screaming for me like I got an S on my chest. Who cares about the rest? Man, I'm doing my thing. Trying to survive in the hood, but I'm still pushing the range. If I put my stamp on it, you can bet your life on it. Something that they can handle, trust me, they don't really want it. Y'all ain't never seen a boss, I ain't gotta get mine. Get on your job when I step up, always gonna survive. Cause I'ma shut it down, flip it when I come survive. Think you know me, but it really don't, I'ma survive. You ain't never seen a boss, I ain't gotta get mine. We got a problem if I hear you talk, I'ma survive. Real talk, little buddy, I'm ahead of mine. Playing with me, man, you playing with your life. Forget all about them stories that you heard in the first grade. Cause I can guarantee that had I been on the first page, you'd be having nightmares even after the 12th grade. And I ain't a tooth fairy, so let's just put it that way. I do this for fun, it's like breathing to me. And my dough is all you should be feeding to me. Believe me, homie, you don't even wanna test it. I'm in it so deep, I seen detectives get arrested. I'm on the news and television even more than a summer. I could've been your daddy, but I cheated on your mama. She was heartbroken, but hey, what can I say? I'm a pimp by blood, I kinda like it that way. I don't take orders, I only answer to God. I'm glad he know my heart, cause sometimes it gets hard. So until he calls for me, y'all the streets are my home. And I'ma do what I please, no matter who think it's wrong. Y'all ain't never seen a boss, I ain't gotta get mine. Get on your job when I step up, always gonna survive. Cause I'ma shut it down, flip it when I come survive. Think you know me, but it really don't. Hey, I don't think y'all get a point yet. I'm trying to tell you, don't nobody got nothing on me. Real talk right here, y'all.
ain't got nothing on me. The 5-0 ain't got nothing on me. King Kong ain't got nothing on me. Hey, nobody ain't got nothing on me. Streets ain't got nothing on me. The gangsters ain't got nothing on me. Them fake thugs ain't got nothing on me. Hey, you better believe it, they ain't got nothing on me. FBI ain't got nothing on me. CIA ain't got nothing on me. The boogeyman ain't got nothing on me. I'm trying to tell y'all for real, they ain't got nothing on me. Your pops ain't got nothing on me. Even your moms ain't got nothing on me. The Secret Services ain't got nothing on me. Please believe me, man, they ain't got nothing on me. Y'all ain't never seen a boss like me. Get on your job when I step up on you. Cause I'ma shut it down and flip it when I come. Think you know me, buddy,